Voilà, une réaction par rapport au résultat, là, il y a 1, 2, 3, la droite est devant, mais courte tête. Oui, et la gauche est surtout en capacité de victoire au second tour. La droite est aux affaires municipales depuis une année, et donc elle a utilisé tous les moyens à sa disposition en présentant les élus municipaux dans tous les cantons. Et donc, dans ces conditions-là, nous faisons mieux que résister. Et je note tout de même que Jérôme Baloge a perdu 15 points en moins d'un an sur la ville de Niort. Pour vous, il n'y a pas d'inquiétude. Vous sentez que ça peut passer pour Niort avec les réserves de voix qu'il peut y avoir. Vous êtes là-dessus, c'est pour ça que le résultat ne vous inquiète pas. Nous sommes combatifs. Donc l'inquiétude ne fait pas partie de nos sentiments. Nous sommes engagés sur le terrain. Nous avons aujourd'hui une situation qui est telle que vous l'avez décrite. Et donc nous pouvons gagner au second tour. Nous allons tout faire avec les candidats, avec les militants qui nous soutiennent. Rassembler l'ensemble de la gauche à Niort et pour les deux serres, parce que je crois que c'est ce que les gens attendent de nous et c'est ce que nous devons de ces brillants. Est-ce que la gauche là a des réserves de voix qu'elle peut justement oui. Pour réconforter la gauche globalement est majoritaire, et donc il faut simplement confirmer cette majorité dans les urnes dimanche prochain. C'est notre travail, c'est ce à quoi nous allons maintenant nous engager.